Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Jancovici, qui est le fondateur de Carbon 4, une entreprise de conseil spécialisée dans la transition vers une économie bas carbone. Et M. Jancovici est aussi le fondateur, président de The Shift Project, un think tank basé à Paris, lui aussi focalisé sur l'économie bas carbone. Professeur associé à Mines Paris Tech, membre du Haut Conseil pour le Climat, plusieurs ouvrages ont été écrits par Jean-Marc Jancovici sur les questions de transition énergétique, changement climatique, et on retrouvera aussi votre goût de la transmission, parfois aussi de la vulgarisation, tout en gardant cette rigueur sur votre site internet Jancovici. Je rappelle que M. Jancovici est là pour nous parler de tous les enjeux de transition, ainsi que nous l'avons débattu et commencé à débattre depuis hier, et je vous le demande de l'accueillir très chaleureusement. Merci, c'est donc terminé. Bon, comme disait l'autre, avant de faire un discours fleuve, je serai bref. Non, je regrette d'être bref, en fait, parce que qui dans cette salle, bien qu'il n'y ait pas de lumière, est né après 1992, comme disent les Belges ? Voilà, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes les générations futures. Oh, c'est pas du tout une blague. Au moment où la Convention climat a été signée à Rio, en 1992, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, allez la lire, la Convention climat dit qu'il faut préserver le niveau des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui ne présente pas de danger pour l'homme, en considération des générations présentes et futures. Donc en 1992, sont les générations futures, tous les gens qui ne sont pas encore nés. Donc tous les gens qui sont nés après 1992 font partie des générations futures. Voilà. Donc vous pouvez, avec cette petite introduction, constater que des générations futures, il y a déjà un gros paquet sur Terre, c'est pas la peine d'attendre plus tard pour s'en occuper. Alors la raison pour laquelle je suis dans cette salle, la voici. C'est parce que notre planète Terre, nonobstant tous les rêves de business plan et de grandeur que nous pouvons avoir, a une caractéristique, c'est qu'elle est désespérément finie. Notre planète Terre faisait un diamètre approximativement égal à 13 000 km il y a 10 000 ans. Elle fait aujourd'hui un diamètre tout à fait approximativement égal à 13 000 km. Et dans deux siècles, ou dans un siècle, ou la semaine prochaine, ou à l'échéance du business plan que vous demandera votre banquier, elle fera toujours 13 000 km de diamètre. Et alors cette caractéristique toute bête fait que nous avons aujourd'hui, à 8 milliards de bonshommes sur Terre, un certain nombre de petits sujets, de places que nous prenons dans cette boîte de conserve qui ne veut pas augmenter de taille. Et il y a deux sujets en particulier dont je vais vous parler ce soir, qui sont le climat et l'énergie. Alors les optimistes dans cette salle pourront se dire que de parler du climat, ce n'est pas la peine, puisque en 2015, à Paris, c'est-à-dire dans cette bonne ville, Monsieur Fabius, ancien Premier ministre, devenu commissaire-priseur pour l'occasion, agite un grand coup sur marteau vert, frappe la table et déclare l'accord de Paris signé. Alors l'accord de Paris dit que le monde va être sauvé, et donc il n'y a plus lieu de s'en faire en ce qui concerne le climat. Vous savez, moi, je suis un petit ingénieur besogneux, et le petit ingénieur besogneux, il y a un truc qu'il adore faire quand il a des grands slogans, comme ceux de M. Jadot, que vous allez recevoir ici. Non, pardon, je ne médis pas des autres. Il adore faire un truc, c'est d'aller regarder les faits. Alors, il y a un fait qu'on peut aller regarder, qui est un fait tout bête, qui est combien est-ce qu'il y a de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, vous avez ici une courbe qui est gradué depuis l'année de ma naissance, ça tombe bien parce que je suis vachement narcissique, non, c'est un hasard, je trouve que la série que j'ai trouvée est graduée depuis l'année de ma naissance, et qui vous donne la quantité de CO2 que vous avez dans l'atmosphère, je vous expliquerai après comment il y arrive et pourquoi il y reste longtemps, depuis que je suis né. Alors vous voyez, cette courbe, elle a une tête extrêmement régulière, et si je vous avais masqué les années, j'aurais pu vous demander, à votre avis, quel est le point qui correspond à l'entrée en vigueur de la Convention climat ? Parce que si la Convention climat sert à quelque chose, le point qui correspond à l'entrée en vigueur de la Convention climat doit marquer une inflexion dans la manière dont cette courbe évolue. Vous êtes d'accord avec moi ? Quelque chose de neuf a une incidence sur le résultat de l'expérience, eh bien, on doit le voir. Alors, la réponse est là. Ici, vous avez en 1900, alors pas en 1992, mais en 1995, dans la bonne ville de Bonn, avec comme ministre de l'Environnement à l'époque une dame dont vous connaissez tous le nom, puisqu'il s'agit d'Angela Merkel, la première édition de la réunion des partis à la Convention climat, c'est comme ça que ça veut dire COP, ça veut dire Convention of the Parties.
C'est-à-dire que tous les pays de la planète, parce que tous les pays de la planète ont signé la Convention climat, qui dit donc qu'il faut s'occuper du CO2 dans l'air et des générations futures, se réunissent à Bonn. Alors c'est un gros succès, puisque la Convention entre en vigueur. Alors vous voyez comment a évolué la quantité de CO2 dans l'atmosphère avant l'entrée en vigueur de la Convention, puis après l'entrée en vigueur de la Convention. Bon. Après, vous avez 2 ans après le protocole de Kyoto, où les pays dits riches disent qu'ils vont prendre des engagements de réduction de leurs émissions. Vous voyez le résultat. Après, vous avez Copenhague, qui, selon M. Jadot, était un gros échec. Bon, pas plus ni un succès ni un échec que ce qui s'est passé avant ou après. Et là, vous avez la convention qui s'est tenue à Paris, dont vous voyez que pour le moment, ça ne marque pas une inflexion avec ce qui s'est passé derrière. Alors, petite conclusion provisoire sur ce que je suis en train de vous raconter. Le succès ou l'échec d'une COP dans la presse n'engage que le ou la journaliste qui a écrit l'article. Et absolument personne d'autre. Du reste, toute votre vie durant, si j'ai un conseil à vous donner, retenez bien ceci, ce qui est écrit dans le journal n'engage jamais que le ou la journaliste qui a écrit l'article. Et personne d'autre. Dit autrement, c'est jamais une source opposable. Le journal n'est jamais une source opposable. Ce que vous voyez là, c'est que, en fait, la COP, enfin, ou la Convention des Nations Unies, pour le moment, n'a pas d'incidence sur ce qui se passe dans le monde. Alors, au moment des questions, je pourrais y revenir. En fait, c'est tout à fait normal quand vous connaissez le système onusien. C'est pas là que ça se passe. Voici la raison pour laquelle la quantité de gaz à effet de serre augmente dans le monde, dans l'atmosphère, pardon, c'est parce qu'on en émet de plus en plus, des gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, ils ont une définition en physique qui est très simple. C'est des gaz qui ont la propriété d'intercepter les infrarouges terrestres. Bon, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous faire un cours de physique parce que je suis trop limité. Mais il faut retenir ce truc tout bête, c'est qu'un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui intercepte les infrarouges terrestres. Dans les gaz qui ont cette propriété, il y a notamment le CO2. Et alors, des émissions de CO2, nous en rajoutons à un cycle naturel. Il y a toujours eu un cycle naturel sur le CO2 dans l'atmosphère, parce qu'il y a des plantes qui ont un cycle du carbone. Mais nous, on en rajoute au travers de 3 processus qui sont de brûler des plantes anciennes, des fougères, qui ont été séquestrées dans la croûte terrestre, ça s'appelle du charbon, qui est de brûler du pétrole, qui sont des restes de plancton qui ont aussi été fossilisés dans la croûte terrestre, qui est de brûler du gaz, qui sont aussi des restes de plancton qui ont été fossilisés dans la croûte terrestre. Et ces 3 combustibles s'appellent des combustibles fossiles parce que c'est des fossiles. C'est des restes de vie ancienne qui ont été fossilisés dans la croûte terrestre. Alors, retenez que le temps caractéristique de formation des combustibles fossiles, ça se balade entre 10 et 400 millions d'années. Donc c'est parfaitement renouvelable si vous avez le temps d'attendre 50 millions d'années. Si vous êtes un peu plus pressé que ça et que votre business plan doit arriver en cash flow positif un peu plus vite, eh bien, c'est pas du tout renouvelable et vous pouvez considérer qu'on en a un stock de départ qui est donné une fois pour toutes et que ça n'augmentera pas en cours de partie. Après, il y a d'autres processus qui conduisent à émettre des gaz à effet de serre, mais qui ne sont plus du CO2. Il y a la déforestation. Ah, pardon. Alors, la déforestation, c'est encore du CO2. Du reste, en ce moment, vous avez un processus de déforestation accélérée qui a lieu dans un pays qui s'appelle l'Australie, parce que l'incendie est un processus de déforestation. J'ai fait un rapide petit calcul, sinistre, mais sympathique, que je vous livre. Ce qui a déjà brûlé en Australie a engendré des émissions de CO2 supérieures aux émissions de CO2 annuelles de l'Australie en régime normal. Parce que tout le carbone qu'il y a dans les forêts qui sont en train de brûler, ça fait du CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. Vous avez du méthane, qui est un autre gaz que le CO2, qui est émis avec le cheptel bovin, les rizières et l'exploitation des hydrocarbures, et enfin, vous avez d'autres poudres de perlimpinpin. Alors, ce que vous voyez sur cette courbe qui vous donne ce graphique qui vous donne les émissions mondiales, c'est que là, pour le coup, vous ne voyez pas l'incidence de la Convention climat. Il y a un autre truc que vous ne voyez pas, c'est l'incidence de la dématérialisation de l'économie. Si je prends n'importe lequel d'entre vous dans la salle, que je vous donne cette courbe sans les abscisses en disant « montre-moi où est-ce que l'économie commence à se dématérialiser », c'est un peu dur de donner la réponse. Et le dernier truc que vous ne voyez pas là-dessus non plus, c'est l'essor des renouvelables et la digitalisation de l'économie qui, soi-disant, la dématérialise. Alors tout ça, vous ne le voyez pas. Et la raison pour laquelle vous ne le voyez pas, c'est que tout ça, c'est essentiellement des slogans. Le numérique ne dématérialise pas l'économie. Il faut émettre une tonne de CO2 pour fabriquer l'ordinateur que j'ai sous le nez. Netflix, c'est une aussi grosse empreinte carbone que la Fargeolcim, parce qu'il faut des serveurs, des ordinateurs, un énorme bout de la bande passante d'Internet, etc. Les renouvelables, on va le voir ça un peu plus tard, on en parle beaucoup plus que dans le journal, que ça n'a d'importance dans la vraie vie. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que les émissions augmentent, de façon ininterrompue, sans qu'aucun processus dont on parle dans le journal comme étant un processus de modération de cette hausse ne soit une réalité dans la vraie vie. Hein ? Et je vous le redis, à chaque fois que vous aurez le choix entre croire le journal et croire les faits, vaut mieux croire les faits. En général, le résultat est
plus sympathique. D'où viennent aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, si je les découpe par activité? Vous avez 20% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui viennent des seules centrales électriques à charbon. Donc l'électricité au charbon, c'est 20%, un cinquième, de la totalité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Inversement, les deux tiers du charbon qu'on extrait sur Terre servent à alimenter une centrale électrique. Donc le charbon, c'est par essence l'énergie de l'électricité. Après, vous avez 6-7% qui viennent des centrales à gaz, très marginalement à pétrole, parce qu'il n'y en a quasiment plus, enfin il y en a très très peu, mais des centrales à gaz. Ensuite, vous avez 6% qui viennent des sols cimenteries. Dans une cimenterie, vous allez chauffer du calcaire, carbonate de calcium, vous allez le casser en deux. L'un des deux bouts, c'est du CO2 qui part dans l'atmosphère. Et en plus, vous avez le CO2 de l'énergie de chauffage. Donc faire du ciment, ça émet plein de CO2. Les émissions directes du reste de l'industrie, donc les chaudières et les hauts fourneaux du reste de l'industrie, c'est 11-12%. Là-dedans, les aciéries, c'est à nouveau 5%. Ce qui veut dire que de faire de l'acier et de faire du ciment, donc de faire des logements et des infrastructures, c'est un gros 10% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. Ensuite, vous avez 6% des émissions qui sont les chaudières de bâtiments. Alors, en France, c'est considérablement plus que ça, c'est plutôt 25%, parce que nous n'avons pas de centrale à charbon, parce que nous n'avons pas d'acier et de ciment au même niveau que la moyenne mondiale, parce que nos infrastructures sont déjà construites, etc. Donc, ce morceau-là, et parce que nous sommes un pays des moyennes latitudes qui se chauffe l'hiver. Mais dans le monde, c'est simplement 6%. Ensuite, les transports. C'est 14-15% dans lequel vous avez 6 pour les voitures, 4 pour les camions, 2 et 2 pour les avions et les bateaux. Donc retenez par exemple dès à présent que les centrales à charbon dans le monde, c'est un plus gros problème pour le climat que la totalité des moyens de transport dans le monde. Retenez que les seules cimenteries, c'est autant d'émissions que la totalité des camions dans le monde. Et je ne le présente pas sur ce graphique, mais le numérique, c'est aujourd'hui 4% des émissions mondiales, si je mets bout à bout la fabrication des ordinateurs et des éléments de réseau et leur fonctionnement. Hein, 4%, ça augmente de 10% par an, c'est un truc totalement non soutenable. C'est-à-dire que dès à présent, le numérique, c'est déjà équivalent à la flotte mondiale de camions en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Manger, c'est 20% des émissions. Là, vous avez essentiellement des gaz qui sont hors CO2, donc là-dedans, vous avez le cheptel bovin, vous avez 1,5 milliard de vaches sur Terre, vous avez les rizières, etc. La déforestation, c'est en gros 10%. L'essentiel de la déforestation dans le monde, c'est abattis brûlis. Hein. Vous coupez la forêt, vous la brûlez, vous faites des cultures à la place, quelles que soient les cultures. Et enfin, il vous reste des poutres de perlimpinpin diverses, telles que la gestion des déchets, le traitement de l'eau, etc. Les fluides frigorigènes, enfin bon, bref. Donc ce que vous voyez dans ce panorama des émissions de gaz à effet de serre, c'est que ces émissions sont très liées à beaucoup de choses qui aujourd'hui sont devenues ordinaires autour de nous, se déplacer, disposer d'électricité, avoir des processus industriels, donc des objets manufacturés, etc. Et manger, évidemment. Et on n'a donc pas affaire à un problème d'environnement qui est un problème individualisable qu'on peut donner à un ingénieur en lui disant « démerde-toi avec ce truc-là et je ne veux pas entendre parler du problème et moi je m'occupe du reste ». D'accord ? C'est un problème qui est intrinsèquement lié à la totalité de ce que nous faisons du soir au matin et du matin au soir. Je reviendrai un peu plus tard. Alors, une des caractéristiques du principal gaz à effet de serre que nous mettons aujourd'hui dans l'atmosphère, le CO2, c'est que c'est un oxyde. CO2, le dictionnaire est bien fait, c'est dioxyde de carbone. Vos vieux souvenirs de chimie vous permettent peut-être, pour ceux d'entre vous qui ont, vous permettent peut-être de vous rappeler que les oxydes sont des molécules qui sont chimiquement inertes. C'est-à-dire qu'une fois qu'une molécule est sous forme d'oxyde, si vous ne lui apportez pas de l'énergie, la molécule reste sous forme d'oxyde indéfiniment. Par exemple, tous les métaux qui s'oxydent, les gisements sur Terre sont sous forme d'oxyde. Le fer, par exemple, se trouve sous forme d'oxyde de fer. Vous ne trouvez pas de fer pur. D'accord, vous trouvez de l'oxyde de fer. Il faut enlever l'oxygène en amenant de l'énergie. Eh bien, le CO2 étant un oxyde, une fois que vous l'avez mis dans l'atmosphère, il n'a pas de processus d'épuration spontanée. Donc, il est très bien là-dedans. Cool Raoul, comme disait l'autre. Et il n'y a que deux processus d'épuration du CO2 de l'atmosphère. L'un des deux est un simple processus d'équilibrage, c'est la dissolution dans l'océan, je vais en parler. Et l'autre est un processus qui demande un apport d'énergie, c'est la photosynthèse. La photosynthèse demande que les plantes reçoivent de l'énergie du soleil. Si vous ne mettez pas la lumière dans le placard, ce que vous y mettez ne pousse pas. Donc, il faut absolument apporter de l'énergie pour que la plante fonctionne.
Et c'est un processus donc qui est un processus lent, la photosynthèse, et en plus qui n'est qu'un processus de contact. Ça ne se passe qu'au niveau du sol. Ailleurs dans l'atmosphère, ça n'a pas lieu. La dissolution dans l'océan, c'est un simple processus de transfert, c'est-à-dire quand la concentration en CO2 dans l'air est supérieure à celle dans l'eau, il y a une partie du CO2 qui passe de l'air dans l'eau. C'est juste un processus d'équilibrage. Ce n'est pas un processus de réaction chimique. D'accord ? C'est juste que vous avez deux compartiments, c'est un système de vases communicants, et ça passe de l'un dans l'autre. Ce qui veut dire que c'est réversible. Ça peut repasser de l'océan dans l'atmosphère, il n'y a pas de problème. Du reste, ça l'a déjà fait dans le passé. À cause de cette caractéristique de très très grande inertie chimique du CO2, quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, parce que ça va structurer ce qui vous reste à vivre, comme ce qui me reste à vivre moi, soit dit en passant, c'est qu'à partir du moment où on arrête les émissions, le surplus de CO2 qu'on a déjà créé, au bout d'un siècle, il y en a à peu près la moitié qui sera toujours au-dessus de nos têtes, donc il sera un peu, il aura baissé, mais il en restera toujours la moitié. Au bout d'un millier d'années, il en restera toujours 20%, et au bout de 10 000 ans, il en restera toujours 10%. Je vous le dis autrement, à la différence de tous les jeux vidéo que vous adorez, en ce qui concerne le changement climatique, il n'y a pas de bouton reset. Donc quand vous perdez la partie, vous avez perdu. C'est fini, il n'y a pas de bouton reset, on ne peut pas dire, comme Tigibus, si j'avais su, je n'aurais pas venu, et on va refaire différemment. Et par ailleurs, à cause de cette très très grande inertie du CO2 dans l'atmosphère, il faut savoir que quand ma génération, ce qu'elle doit faire, commence à s'agiter, ce qu'elle ne fait pas assez, pour faire baisser les émissions, elle travaille pour la vôtre. Dit autrement, la dérive climatique des 20 prochaines années est totalement embarquée dans les émissions qui ont déjà eu lieu. Celle-là, on ne peut absolument plus rien y faire. Donc, l'évolution climatique des 20 prochaines années est scellée dans les émissions qui ont déjà eu lieu. Donc, toute baisse des émissions qui démarre aujourd'hui ne sert qu'à la génération qui suit. C'est déjà bien, hein, mais voilà. Mais ça veut dire qu'on travaille toujours pour la génération suivante, cette affaire. Ce qui est évidemment un énorme problème dans les systèmes court-termistes que nous avons construits, dans lesquels il y a des choses que vous adorez, comme par exemple les comptes trimestriels et la cotation en bourse, hein, qui sont des systèmes à raccourcir les échéances de temps de manière absolument considérable. Là, on est en train de parler de processus qui se passent sur des échelles de temps qui dépassent l'entendement et qui dépassent surtout le système politique, les échéances électorales que nous avons mis en place. Donc là aussi, je vous renvoie aux bonnes lectures, hein, relisez Tocqueville. La démocratie est un système terriblement court-termiste qui est très mal armé pour faire face à ce genre de défi. Alors, dans les émissions de gaz à effet de serre, il y en a une partie qui vient de l'énergie, et les émissions venant de l'énergie augmentent parce que l'usage de l'énergie augmente. Vous avez ici les énergies qui sont utilisées par les hommes depuis un siècle et demi. Alors, ce qui saute immédiatement aux yeux, normalement, quand vous voyez ce graphique, c'est qu'à l'échelle mondiale, il n'y a jamais eu de substitution entre énergies. Les énergies que nous utilisons se sont empilées les unes sur les autres, toujours. Ce que vous voyez, c'est que le charbon s'est rajouté à la biomasse, le pétrole s'est rajouté au charbon, le gaz s'est rajouté au pétrole, etc. Et les nouvelles énergies renouvelables qui nous excitent tant en ce moment, là, éolien, solaire et autres, se rajoutent au reste, qu'elles ne substituent absolument pas, à l'échelle macroscopique. Ça rajoute. D'accord ? Si je vous demande, à votre avis, ces dernières années, qu'est-ce qui a le plus augmenté en matière d'approvisionnement énergétique ? Je vous fiche mon billet qu'une partie non négligeable de la salle va me dire, ah, quand même, sur les années qui viennent de s'écouler, ce qui a le plus augmenté, c'est les énergies renouvelables. Perdu. Vous avez ici un graphique qui vous donne la variation de l'approvisionnement énergétique mondial depuis l'an 2000, mais je vous aurais montré depuis l'an 2010, c'était pareil, qui vous montre que encore aujourd'hui, les énergies qui en valeur absolue, augmentent le plus restent les énergies fossiles. Sur les 18 dernières années, l'énergie qui a le plus augmenté, c'est le charbon. Suivi, c'est l'électrification de la Chine. Hein. Très clairement, c'est l'électrification de la Chine. Suivi derrière du gaz, tout à fait fossile, même s'il va devenir vert, paraît-il. Suivi derrière du pétrole. Et ce que vous voyez, c'est que le vent et le soleil sont loin derrière. Et en fait, si le journal avait eu une pagination proportionnelle à ce qui se passe dans le monde sur les 18 dernières années, eh bien, pour un article parlant du solaire, il aurait dû vous en faire 11 parlant du charbon. Ce qui n'est pas, je crois, ce qu'il a fait. Petit sujet, soit dit en passant, petite question. Vous savez que nous avions des moulins à vent il y a 2000 ans. Nous avions des moulins à eau partout dans l'Empire romain.
Donc en fait, il y a 2000 ans, l'éolien, on connaissait très bien ça. Si l'éolien, c'est vachement mieux que les énergies fossiles, ce que disent aujourd'hui un certain nombre de ses partisans, pourquoi est-ce qu'on s'est emmerdé à passer de l'éolien aux énergies fossiles, si c'était vachement mieux? Il n'y a pas de raison de faire ça. En fait, quand vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé, c'est l'exact inverse de ce qui est présenté parfois comme étant l'évidence. Il y a quelques siècles, nous avions une marine 100% renouvelable. Vous avez ici un bateau 100% renouvelable, fait en bois renouvelable, avec des voiles en coton et en lin renouvelable, mu par des marins ou des galériens parfaitement renouvelables aussi, parfois ayant un défaut de citron, donc ils avaient le scorbut renouvelable. Et on s'est dit, non, quand même, pour approvisionner le supermarché du coin pour pas cher, c'est quand même vachement mieux d'avoir une marine fossile, donc on va fossiliser la marine. Nous avions des transports terrestres parfaitement renouvelables. Donc, vous voyez ici une charrette en bois renouvelable. Non, je triche, il doit y avoir trois ferrures déjà, pas renouvelables, mais peu importe. Avec un cheval renouvelable, mangeant de l'herbe renouvelable, etc. Puis on s'est dit, non, quand même, toujours pour remplir le supermarché du coin, c'est quand même vachement mieux d'avoir des transports fossiles. Nous avions une agriculture renouvelable avec un tracteur renouvelable, ça s'appelait un bœuf, et des chevaux de trait, c'est pour ça qu'il y avait des boucheries chevalines, et mangeant de l'herbe renouvelable, etc. Puis on s'est dit, non, quand même, pour avoir le McDo pour pas cher, enfin, ou n'importe quelle autre marque, on s'en fout, c'est quand même vachement mieux d'avoir une agriculture fossile. Nous avions des travaux publics renouvelables, alors c'était un peu long pour faire les voies romaines, ça, certes, c'est pour faire beau. Maintenant, pour faire des ronds-points, ça c'est quand même vachement important, les ronds-points, nous avons des engins fossiles, c'est quand même vachement plus efficace. Nous avions de la construction renouvelable. Alors bon, un siècle pour faire Notre-Dame en version 1, en version 2, il paraît que ça ira plus vite. Aujourd'hui, pour faire des grands cornichons en Barésie à la Défense, j'aimerais bien psychanalyser l'architecte, soit dit en passant, vous allez beaucoup plus vite que ça grâce à l'énergie fossile. Nous avions une industrie renouvelable. Vous voyez, avec des moulins à eau renouvelables, on s'est dit non, quand même, pour faire les jouets à Noël pour pas cher, c'est quand même vachement mieux d'avoir une industrie fossile, et donc on a fossilisé l'industrie. On avait même des séchoirs à luzerne renouvelables, ça s'appelait le soleil, et aujourd'hui nous avons des séchoirs à luzerne à gaz. Donc ça fait 2 siècles que, en fait, nous venons de faire l'exact inverse de ce qui est présenté aujourd'hui comme une évidence sur le plan économique, sur le plan écologique, enfin voilà, quand même, c'est renouvelable, c'est l'avenir, c'est pas cher, c'est etc. Sauf que ça fait 2 siècles que nous faisons exactement l'inverse. Donc il doit bien y avoir une petite raison. Et en fait, il y a une raison, elle est physique. Alors pour comprendre cette raison physique, on va faire un petit détour par la Tour Eiffel. Qui est déjà monté en haut de la Tour Eiffel à pied? Pas en ascenseur, hein, à pied, hein, par les escaliers. Une fois. Qui l'a déjà fait 6 fois d'affilée? Personne. Bon, alors le petit calcul que je vais vous montrer, c'est si vous le faites 6 fois d'affilée. Donc on va imaginer que vous montez 6 fois d'affilée, et alors mademoiselle la pèse un peu moins de 80 kg, mais c'est pas grave, mon calcul est quand même bon en ordre de grandeur, que vous allez le faire 6 fois d'affilée, avec un petit sac sur le dos pour avoir de quoi casse-croûter quand même, ce qui vous fait faire 2000 mètres de dénivelé dans la journée. D'accord ? Vous allez faire ça avec vos jambes, et vos jambes vont évidemment fournir de l'énergie. L'énergie qu'elles fournissent, ça sert à hisser votre corps contre le champ gravitationnel. D'accord ? C'est à ça que ça sert. Eh bien, en faisant cet exercice, que normalement vous ne faites pas tous les jours, vous allez fournir une énergie mécanique qui est de l'ordre d'un demi-kilowattheure, c'est-à-dire 1,8 million de joules. C'est ça que vous allez fournir avec vos jambes en une journée de transpiration. Si on imagine que vous faites ça 1 jour sur 2, donc là, à la fin de l'année, vous êtes super entraîné. Il paraît qu'il y a des courses d'ascension comme ça, dans les phares, la tour Montparnasse, je ne sais pas quoi, bon, bref. Donc là, vous serez très, très entraîné. Eh bien, à la fin de l'année, vos jambes auront fourni une énergie mécanique de l'ordre d'une centaine de kilowattheures. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc un homme au travail de force est capable, sur l'année, en utilisant les plus puissants de ses muscles, c'est-à-dire ses jambes, de fournir une centaine de kilowattheures d'énergie mécanique. Si vous prenez mon ouvrier des travaux publics des temps anciens et que vous lui faites décaisser quelques tonnes de terre dans la journée, là, en l'occurrence, j'ai pris 6 mètres cubes de terre, c'est-à-dire 15 tonnes, c'est pas mal, il aura des bonnes ampoules et mal au dos à la fin de la journée, et qui remonte ça d'un mètre, eh bien, il est 10 fois plus ridicule que mon grimpeur de Tour Eiffel. À la fin de la journée, il a fourni 0,05 kWh d'énergie mécanique. Et à la fin de l'année, s'il fait ça 1 jour sur 2, 10 kWh d'énergie mécanique. Alors, à ce stade, 10, 100 kWh, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors là où ça va vous dire quelque chose, c'est que si vous faites brûler 1 litre d'essence, qui, vous savez, c'est beaucoup trop cher, parce que les gilets jaunes le disent, eh bien, si vous faites brûler 1 litre d'essence, vous allez libérer 10 kWh d'énergie thermique. Et une fois que ça sera passé dans un moteur, il vous en restera 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans 1 litre d'essence qui coûte le prix scandaleusement cher de 1 euro quelque chose, vous avez la même capacité à transformer l'environnement qu'avec 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain.
1 litre d'essence. Dont, nonobstant le fait que la France est un pays tout nucléaire, chaque Français consomme plusieurs centaines de litres par an, en moyenne. Hein ? De l'ordre de 600. Maintenant, si on parle pognon, puisque ici, il n'y a que ça qui vous intéresse, je le sais bien, si on prend mon ouvrier, mon esclave, mon fournisseur d'énergie mécanique, vous allez voir, ce que je vais vous expliquer, c'est que parler pognon, on n'a aucun intérêt. Justement, c'est ça le problème. C'est que c'est une convention extrêmement réductrice de ce qui se passe dans le monde. Si vous payez la personne qui vous fournit de l'énergie, c'est-à-dire la transformation du monde, au SMIC, vous allez payer votre kilowattheure d'énergie mécanique entre quelques centaines et quelques milliers d'euros, alors qu'en face, la machine vous fournit le même service pour un coût marginal de l'ordre de quelques dizaines de centimes. Dit autrement, quand vous passez de l'homme à la machine, et c'est pour ça qu'on a abandonné les énergies renouvelables, vous êtes capable de diviser par quelques centaines à quelques milliers le coût d'une transformation unitaire de l'environnement. C'est-à-dire le coût du fait de passer de la laine à un pull, d'une fibre textile à un vêtement, d'un minerai métallique à des pieds de chaise, etc. Tout ça a été divisé par quelques centaines à quelques milliers grâce à l'apparition des machines et de l'énergie. Donc je suis en train de vous dire quelque chose de très simple, c'est que votre pouvoir d'achat et le mien et celui de tous les Français et de tous les habitants du monde repose aujourd'hui sur l'énergie. C'est ça que l'énergie nous a ramené. C'est l'explosion de notre pouvoir d'achat. Les gens n'étaient pas plus cons que nous avant d'avoir découvert les énergies fossiles. Hein, vous savez, il y en a même certains qui étaient beaucoup plus intelligents que n'importe qui pris dans cette salle. Mais ils n'avaient pas l'énergie fossile à leur disposition, donc ils n'ont pas fait le pouvoir d'achat pour tous. Donc ce qui fait le pouvoir d'achat pour tous, c'est l'énergie. C'est même ça qui a libéré les esclaves. Si vous prenez un esclave, ce qui normalement n'est pas une vocation de jeunesse, sauf pour quelques rares personnes qui ne le crient pas sur les toits, vous allez devoir aller chercher cette personne contre sa volonté, ce qui va vous coûter de l'argent, la nourrir, parce que sinon vous perdez votre actif, l'empêcher de vous trucider comme dans Django, ce qui va également vous coûter de l'argent, et l'empêcher de foutre le camp, ou les deux à la fois du reste, comme dans Django aussi. Si vous mettez bout à bout tous les coûts que représente la possession d'un esclave qui va vous fournir un service, vous vous rendez compte que même ça, ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'est pas syndiquée à la CGT, son conducteur parfois, mais pas elle, qui travaille H24 et qui n'a strictement rien contre sa condition de machine. Donc la raison pour laquelle nous sommes passés de l'homme à la machine et des énergies renouvelables, qui sont beaucoup moins denses que les énergies fossiles, aux énergies fossiles, c'est parce que ça a permis d'augmenter indéfiniment notre costume de Superman. Et aujourd'hui, en fait, l'énergie, ça représente notre costume de Superman ou d'Iron Man. Alors, ce n'est pas un costume de Superman ou d'Iron Man que vous enfilez le matin avec la lumière qui brille au centre, mais par contre, c'est un costume de Superman ou d'Iron Man qui est constitué des trains, des avions, des machines à laver, des laminoirs, des cimenteries, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des machines réfrigérantes, etc. Bref, de tout ce parc de machines que nous avons actuellement dans le monde et qui travaille pour nous pendant que nous, on est occupés à se raconter des histoires dans cette salle. Bah ouais, c'est ce qu'on fait, quoi. On se raconte des histoires dans cette salle. Pendant ce temps-là, les machines bossent et elles sont en train de vous préparer votre bouffe. Si je regarde la puissance du parc de machines aujourd'hui installées dans le monde, c'est-à-dire la totalité des machines que j'ai nommées plus celles que je n'ai pas nommées, qui utilisent leur nourriture bien à elles, qui s'appelle de l'énergie, eh bien, à tout instant dans le monde, la puissance du parc de machines en fonctionnement, c'est plusieurs centaines de fois la puissance musculaire de l'humanité. Et dans les pays occidentaux, le multiple est plus proche de 1000. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la production, elle n'est pas faite par des gens, elle est faite par des machines. Donc ce qui fera le succès de votre business plan, ce n'est pas des gens, c'est des machines. La raison pour laquelle le PIB français a été transitoirement supérieur au PIB chinois, alors que les Chinois ont toujours été considérablement plus nombreux que les Français, c'est parce qu'il fut une époque dans l'histoire où les Français ont eu plus de machines que les Chinois. Point barre. Ce qui fait la production, et je vais y revenir après, c'est les machines. Alors ça vient un tout petit peu heurter les cours d'économie que vous apprenez ici. Les cours d'économie que vous apprenez ici sont notamment basés sur un postulat qui a été émis il y a deux siècles par un certain nombre d'économistes, dont M. Jean-Baptiste Say, que vous avez ici. Ces économistes ont dit « la nature, ça vaut zéro ». D'accord ? Ce que nous donne la nature, c'est gratuit. Alors je vais prendre un exemple tout con. Il y a dans l'atmosphère 20% d'oxygène. Si je retire les 20% d'oxygène, alors ces 20% d'oxygène ne sont dans aucun compte de résultat d'aucune entreprise dont vous allez faire le business plan. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez jamais vu une ligne de charge avec oxygène dans l'air? Bon, je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a vu, il faut qu'il arrête de fumer, mais sinon, non. Bon.
C'est gratuit, puisque c'est dans aucune ligne de charge. Sauf que si je retire l'oxygène de l'air, vous mourrez tous, il n'y a plus d'entreprise et il n'y a plus de compte de résultat. Donc voilà quelque chose qui est gratuit et indispensable. Et en fait, tout ce que nous avons sur Terre est gratuit et indispensable. Le système climatique est gratuit et indispensable. L'existence d'océans est gratuite et indispensable, etc. Alors on pourrait s'amuser à regarder combien ça vaut. Je vais vous livrer ce petit calcul que je trouve rigolo. Vous avez ici la résidence secondaire de M. Thomas Pesquet, c'est-à-dire la station spatiale internationale. Alors la station spatiale internationale vaut 100 milliards de dollars et c'est un appartement capable d'héberger 6 personnes. Ce qui veut dire que ça vaut 15 milliards de dollars par personne. Parce que là, on est d'accord. À quoi ça sert, la station spatiale internationale? Ça sert à créer, à un endroit où ça n'existe pas, une pression d'une atmosphère, un air respirable et un début de cycle de l'eau. D'accord? Ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert même pas à faire pousser une carotte. Vous ne pouvez pas faire pousser une carotte là-haut. Ça ne sert même pas à cultiver un champ de blé. Vous pouvez faire, voilà, ça ne sert pas à pêcher un poisson. Tout ça n'existe pas. Ça sert juste à créer une atmosphère, une pression d'une atmosphère, un air respirable et un début de cycle de l'eau. Ça, ça vaut 15 milliards de dollars par personne. Alors, je vais vous dire, la planète Terre qui nous offre une atmosphère respirable, une pression d'une atmosphère au sol et un cycle de l'eau et plein d'autres trucs, puisque là, on peut pêcher des poissons, faire pousser des carottes, et aller se balader au bord de la plage, ça vaut au moins 15 milliards de dollars par personne. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Si vous regardez quelle est la fraction de la planète que nous détruisons chaque année pour alimenter notre système économique, c'est au moins 1 pour 1000. C'est-à-dire que chaque année disparaissent au moins 1 pour 1000 des stocks de poissons, des stocks de pétrole, des stocks de gaz, des stocks de minerais, des stocks d'espèces, etc. Donc le comptable passe par là, il dit bah, « tu détruis 1 pour 1000 d'un truc qui vaut 15 milliards, tu vas me passer une dotation aux amortissements de 15 millions par an, et par personne. » Vous êtes d'accord? En face de ça, vous avez un PIB qui vaut 15 000 dollars par personne et par an. Donc vous voyez, je suis en train de vous expliquer que si je prends une convention économique pas plus idiote qu'une autre, notre économie est une machine à perdre, à cramer du cash, mais on ne s'enrichit pas en l'occurrence cette fois-ci, c'est une machine à cramer du cash 1000 fois plus vite du côté de ce qu'on perd que du côté de ce qu'on gagne. Avec une simple convention économique dérivée de ce que coûte la station spatiale internationale. Donc, le fait que notre économie aujourd'hui soit un système profitable pour les hommes, c'est une vision conventionnelle. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il y a du confort matériel à court terme, mais le fait que le bilan global de long terme soit une bonne affaire, c'est purement conventionnel, cette histoire. Alors, si je vous le dis autrement, on a considéré que la nature étant gratuite, et elle était donc infinie, c'est ce que disait Say, et donc si elle est infinie, ça ne peut pas être un facteur limitant du système productif. Donc, le système productif n'a que deux facteurs limitants, donc deux facteurs de production, le travail humain et le capital humain, et ça, ça suffit pour que le supermarché soit rempli. Alors la personne qui passe par là et qui s'intéresse un peu au flux physique va vous dire, pour remplir le supermarché, il faut peut-être avoir les ressources qui vont donner les produits qui seront au supermarché. C'est compliqué de passer chez Zara si Zara ne vous vend qu'un concept de vêtements. Il vaut mieux qu'ils vous vendent un vêtement. Bon. Donc ce vêtement, il est fait avec de la matière, cette matière a bien dû être trouvée quelque part, ça s'appelle une ressource. Donc c'est soit des fibres végétales, soit un bout de pétrole, si jamais vous avez des fibres synthétiques sur vous, puisque toute personne dans cette salle qui porte des fibres synthétiques porte du pétrole. Et puis il faut avoir une capacité à transformer ces ressources, c'est le travail. Et cette capacité à transformer les ressources, elle est faite pour une toute petite partie, les muscles des hommes, et l'essentiel de cette transformation vient des machines. Dans cette affaire, le capital est une simple boucle interne au système, puisque cet immeuble, qui est un élément de capital, il a été fait exactement comme vos chaussettes, en transformant des ressources naturelles. Pareil. D'accord ? Même processus physique. Là, vous comprenez qu'il y a d'autres facteurs limitants qui interviennent. Si je n'ai pas assez d'énergie pour alimenter mes machines, j'ai beau avoir plein de gens qui sont d'accord pour se lever le matin parce que M. Macron les en a persuadés, et plein de banquiers très sympathiques pour investir parce que Mme Lagarde les en a persuadés. Si je n'ai pas assez d'énergie pour faire tourner mes machines, je n'aurai pas assez de PIB, même si j'ai plein d'hommes et plein de banquiers compatissants. Et si je n'ai pas assez de ressources à transformer, même motif, même punition. Et si j'en ai assez, c'est quand même aujourd'hui le premier facteur limitant de l'activité économique. Donc je vous présente, donc n'allez pas en cours de macroéconomie, ça ne sert à rien. Voilà le seul modèle macroéconomique que vous avez besoin d'avoir en tête. Celui-là marche très très bien, et il marche très très bien depuis que j'ai commencé. C'est à le regarder. Le système, le modèle macroéconomique pardon, que je vous présente vous dit que le PIB dans le monde, c'est-à-dire la valeur économique des ressources qui ont été transformées, c'est ça le PIB, hein, est une fonction quasi linéaire
de la quantité d'énergie que nous utilisons, c'est-à-dire du parc de machines en fonctionnement. Donc vous regardez la taille du parc de machines en fonctionnement, ce que l'énergie vous mesure, et vous avez la production. C'est terminé. Je n'ai pas besoin de vous enquiquiner plus que ça. Sauf que ça amène au drame des négociateurs climat, c'est que comme l'essentiel de cette énergie est fossile et qu'on va voir dans pas longtemps qu'on n'est pas prêt d'en sortir, eh bien vous avez à peu près la même relation quasi linéaire PIB-CO2. Donc la très très bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que pour qu'on s'en sorte avec le climat, il faut que l'essentiel de vos business plans s'inscrive dans le cadre d'une récession. Je le répète ou non, c'est bon ? Voilà. C'est ça que ça signifie, s'en sortir sur le climat. Si nous faisons ça, on a une toute petite chance, vous allez voir le rythme, de tenir les 2 degrés. Si nous ne faisons pas ça, nous n'aurons pas les 2 degrés, donc nous aurons une régulation par la catastrophe, qui marche très bien aussi, l'histoire l'a montré. Donc l'histoire des 19e et des 20e siècles, elle est très très simple. Nous avons sous terre des combustibles fossiles qui sont gratuits, comme toutes les ressources naturelles, donc le pétrole est aussi gratuit que le vent, personne n'a rien payé dans cette salle pour que le pétrole se forme. Ces combustibles fossiles fournissent un approvisionnement énergétique, c'est-à-dire une capacité à transformer n'importe quoi d'autre, tout aussi gratuit, soit dit en passant, et donc ça, ça nous a permis de faire les objets qui nous entourent, le système socio-économique sur lequel est basé la productivité du travail, qui n'est rien d'autre que d'avoir adjoint des machines aux hommes. Augmenter la productivité du travail, c'est pas que vous vous êtes transformé en Shiva avec 253 bras et 96 jambes. C'est juste qu'on vous a adjoint des machines qui travaille pour vous, mais on a laissé juste les hommes au dénominateur. Donc c'est juste un artefact normatif, le fait que la productivité du travail augmente. Votre puissance musculaire, elle, elle n'a pas augmenté. Et on a l'habitude de comptabiliser économiquement ce qu'on fait en appelant ça PIB. Alors il y a plein de facteurs limitants qui s'appliquent, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Là, il y en a deux sur lesquels je vais un tout petit peu détailler. Le premier, c'est le changement climatique, qui est un facteur limitant. S'il y en a trop, ça va empêcher le système de fonctionner. Il y a un deuxième facteur limitant qui, lui, est déjà à l'œuvre en Europe, qui est un goulet d'étranglement sur l'approvisionnement énergétique fossile. C'est-à-dire que les énergies fossiles, comme elles ne sont pas éternelles, eh bien, on ne peut pas éternellement en extraire de plus en plus. Et donc, il y a un moment où on commence à avoir des problèmes. Si je suis un peu plus précis, si vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, donc ce qui est le cas du pétrole, du gaz, du charbon, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir une extraction indéfiniment croissante en provenance de ce stock ? Les mathématiques vous l'interdisent. On ne peut même pas avoir une extraction indéfiniment constante en provenance de ce stock. Les mathématiques vous interdisent aussi ça. En fait, les mathématiques vous forcent à avoir une extraction qui ressemblera à ça. C'est-à-dire que ça part de zéro si vous allez suffisamment loin dans le passé, ce qui peut assez facilement se vérifier. Ça finira à zéro si vous allez assez loin dans le futur, ce qui peut aussi assez facilement se montrer. Au pire, dans 4 milliards d'années, quand les hommes disparaîtront sous la géante rouge solaire, on est sûr qu'il n'y aura plus d'extraction de pétrole, mais bien avant, ça s'arrêtera. Et entre les deux, vous aurez un maximum absolu qui s'appelle le pic. Et ce pic, il aura lieu pour le pétrole, mais il aura aussi lieu pour le minerai de cuivre, pour le tantal, le bore, le vanadium, le chrome, etc. Dès que vous sortez quelque chose de la croûte terrestre où le stock de départ est donné une fois pour toutes, vous aurez un maximum annuel à l'extraction de cette ressource. En décembre 2018, l'Agence internationale de l'énergie a sorti un rapport que vous pouvez voir ici, sur lequel il est explicitement écrit, et alors la presse française n'en a à peu près pas parlé, que le maximum pour l'extraction du pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire ce qui n'est pas le shale oil aux États-Unis et ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, est passé en 2008. Qui en avait entendu parler dans la salle ? J'en vois 3 là, 4, 8, d'accord ? Je peux vous dire que c'est considérablement plus structurant pour le régime des retraites que les négociations qui sont actuellement en cours, dont on vous rebat les oreilles soir et matin. Parce que ça, ça structure la quantité totale de pognon qu'il y a à se partager. Et si la quantité totale de pognon qu'il y a à se partager baisse, on peut faire toutes les danses de la pluie qu'on veut sur les promesses de l'augmentation du point d'indice de je ne sais pas quoi, il n'y en aura juste pas plus. D'accord ? Donc la pagination du journal aurait dû être inversée. On aurait dû vous rebattre les oreilles soir et matin avec ça, et vous parler de temps en temps de ce qu'il y a en négociation sur les retraites. Mais je vous assure que ça ne va pas être le problème, enfin, vos retraites, même la mienne, votre problème, ça ne va pas du tout être la nature des négociations qu'il y a en ce moment. Hein. Ça va être ça. Si on regarde tout ce qu'on peut sortir de terre sous forme de liquide, donc y compris le shale oil, etc., je vous la fais courte mais bonne, en gros, le maximum total, ce n'est pas 2008, c'est dans les années 2020. Et
le pétrole est la plus limitante des énergies au sein de toutes les énergies parce qu'elle commande les transports. Et ce que vous voyez ici, c'est la variation depuis 65, de la quantité de pétrole qu'on sort de terre, c'est bien la quantité, pas le prix, que vous avez ici en rouge, et du PIB par personne en bleu. Et ce que vous voyez, c'est que depuis les chocs pétroliers où on a rendu le pétrole, on s'est limité au maximum sur ce qu'on pouvait faire avec le pétrole, c'est-à-dire qu'on on a vraiment été gratté de l'efficacité partout, les deux sont parfaitement asservis, et quand il y a un décalage temporel, c'est le pétrole qui varie avant le PIB. Donc ce n'est pas parce qu'il y a de la croissance qui vient de Mars on achète plus de pétrole, c'est parce qu'on a plus de pétrole, il y a plus de machines qui peuvent échanger entre elles, et à ce moment, la production augmente. Et inversement, dans l'autre sens. Et il n'y a pas de lien entre volume et prix en ce qui concerne le pétrole, donc ça c'est un deuxième truc qu'on vous apprend peut-être ici, et qui est totalement faux en ce qui concerne le pétrole, et en fait qui est totalement faux en ce qui concerne énormément de choses. Vous avez ici un graphique dans lequel j'ai mis en abscisse la quantité de pétrole qu'on achète sur le marché dans l'année, qui est la quantité produite en gros, et là vous avez le prix par baril. Si vous aviez une élasticité prix-volume, telle qu'on l'apprend parfois en cours, les points devraient être organisés comme ça. C'est-à-dire que moins il y en a, plus c'est cher, et plus il y en a, moins c'est cher. Ça, c'est le fameux truc qu'on vous apprend à l'école. Bon. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble à ça en ce qui concerne le pétrole. Vous avez une espèce de plat de spaghettis. Et en fait, si vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte que pendant 50 ans, vous avez un volume qui varie considérablement avec un prix qui reste constant. Ensuite, vous avez un volume qui ne varie quasiment pas avec un prix qui fait n'importe quoi. Et rebelote. Vous ne verrez pas arriver la raréfaction du pétrole par le fait que le prix s'envole indéfiniment. Ce n'est pas comme ça qu'on va le voir arriver. Vous verrez arriver la raréfaction du pétrole par le fait que le capex par baril extrait par jour, lui, augmente indéfiniment. Ça oui, mais pas le prix. À cause du pic de production du conventionnel en 2008, l'Europe a vu son approvisionnement pétrolier contraint à partir de 2006. Je vais accélérer un peu là parce que je vois que le temps leur tourne. Donc, en Europe, l'approvisionnement pétrolier aujourd'hui est contraint. L'approvisionnement en gaz en Europe a commencé à baisser à partir de 2005 parce que la mer du Nord, qui nous fournit l'essentiel de notre gaz, a commencé à baisser à partir de 2005. C'est le pic de production qui est passé. Le charbon baisse en Europe depuis des décennies parce que ça fait deux siècles qu'on tape dans nos stocks de charbon. Ça date de bien avant qu'on commence à s'occuper du climat. Et donc, si vous rajoutez charbon, pétrole et gaz qui font 75% de l'approvisionnement énergétique européen, tout ça a commencé à baisser depuis 2006. Vous y rajoutez le nucléaire qu'on baisse volontairement, pour de mauvaises raisons selon moi, mais on le fait quand même. Ce n'est pas les énergies renouvelables que vous avez ici, les nouvelles, là, qui vont compenser la baisse de manière extrêmement significative. Vous voyez sur ce graphique que vous avez trois temps sur l'approvisionnement énergétique par personne en Europe. Un premier temps jusqu'à la fin des 30 glorieuses, au moment des chocs pétroliers, qui signifie l'arrêt de la hausse. Et c'est à partir de ce moment-là que les économistes commencent à se dire « Ah tiens, où est passée la productivité ?» Ben, la productivité est passée dans le fait que l'énergie, c'est-à-dire que la quantité de machines en service par personne, s'arrête de croître. C'est juste là que c'est passé. Ensuite, vous avez 40 ans pendant lesquels c'est constant. Alors l'économie commence à patiner un peu, l'endettement augmente, la productivité augmente plus vite, aussi vite qu'avant, le chômage commence à apparaître, etc. Et puis vous avez un deuxième coup de tabac dans l'affaire, c'est le début de la baisse de l'approvisionnement par personne. Et à ce moment, là, ça commence vraiment à déconner dans les grandes largeurs, l'endettement explose, le chômage commence à augmenter de manière significative, vous vous mettez à avoir de l'inflation d'actifs partout quand vous commencez à faire du quantitative easing, etc. Vous voyez apparaître les taux négatifs, donc là, le système est vraiment en train de commencer à dérailler, et ça n'est que le début. Et si vous regardez la variation du PIB par personne sur ces trois temps, eh bien vous voyez, avant, au moment où l'énergie par personne augmentait rapidement, on était à 4% par personne et par an. Au moment où l'énergie s'arrête de croître, on n'est plus qu'à 2%. Et là-dedans, il y a déjà un début d'inflation des actifs. Depuis 2006, on est quasiment à zéro. Et vous demandez à ce moment aux Anglais si ça leur plaît. Les Anglais vous disent non, ça ne nous plaît pas. En ce qui concerne le climat, l'essentiel de ce que je vais vous raconter tient dans cette carte. Vous avez ici une représentation des écosystèmes installés en Europe avant le début du changement climatique. Donc on va dire milieu du XXe siècle. Ce que vous voyez, c'est qu'à ce moment-là, les écosystèmes, si on ne les supprime pas pour faire des tas de trucs futiles comme des champs et des routes et des trucs essentiels comme le campus de l'ESSEC, eh bien vous avez essentiellement des forêts. Donc ça veut dire que partout en Europe, il pleut suffisamment pour que poussent des grosses espèces végétales qui sont des arbres. Voilà à quoi ressemble l'Europe il y a 20 000 ans.
Alors, il y a 20 000 ans, évidemment, les sexes n'existent pas. Les hommes sont un peu moins nombreux. Nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Donc, il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Le climat a varié spontanément. Il n'y a pas que les hommes qui font varier le climat. Nous, on le fait varier très vite, trop vite, mais il varie plus lentement, naturellement. Et vous voyez que la géographie européenne ne ressemble à rien de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas d'Erasmus chez les Suédois, donc oubliez l'Agvavit, parce que la Scandinavie est recouverte de 3 km de glace, exactement comme le Canada, tabernacle, soit dit en passant. Comme cette glace a été constituée en prenant l'eau là où elle est disponible, c'est-à-dire dans l'océan, et que le fond de l'océan n'a pas changé parce qu'il est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc vos grands-parents n'auraient pas perdu leurs éconocroques dans Eurotunnel, ce n'était pas la peine de faire Eurotunnel, vous voyez, il n'y a pas de manche, là, la manche a disparu. Les Écossais ne nous enquiquinent pas aussi nation, les Irlandais toujours, malheureusement, les Écossais non. Il fait beaucoup plus froid, donc beaucoup plus sec, et vous n'avez pas de forêt, quasiment pas de forêt en Europe, tout ce que vous avez c'est de la steppe et de la toundra. Et dans ce genre d'écosystème, vous arrivez à faire vivre 100 000 bons hommes en France. Donc la population française de l'époque, c'est un petit arrondissement parisien. Quand la Terre est passée de la dernière ère glaciaire à l'ère pré-industrielle et que les écosystèmes en Europe sont passés de ça à ça, manifestement, la température s'est réchauffée. Eh bien, le réchauffement planétaire qui correspond à cette transition, c'est 5 degrés en 10 000 ans. Avant de détailler très rapidement les conséquences du changement climatique, retenez juste cette phrase de conclusion. 5 degrés en un siècle, c'est la guerre partout. C'est très exactement ça. 5 degrés en un siècle, c'est la guerre partout. C'est-à-dire que la déstabilisation des conditions environnementales ira à une vitesse telle, au surplus dans un monde qui, sur la deuxième partie du siècle, commencera à être en contraction énergétique, subie, c'est-à-dire en défaut de moyens de réaction face à l'adversité, c'est absolument évident que la façon dont le système va réagir, c'est en créant des conflits et des tensions absolument partout. Quelques exemples. Ici, vous avez le nombre de jours qui seront létaux, c'est-à-dire qu'il sera physiquement impossible de survivre en 2100 avec une élévation de température qui serait de 4 degrés. La raison pour laquelle c'est concentré près de l'équateur, c'est qu'il fera tellement chaud dans ces endroits-là, avec une humidité tellement importante, que vous ne pourrez plus transpirer pour évacuer votre chaleur, et donc vous mourrez d'hyperthermie. Trop chaud. D'accord ? Eh bien, vous voyez qu'il y a des endroits dans lesquels vous aurez ça quasiment toute l'année, là, 350 jours par an. Ça, c'est un graphique qui vient du dernier rapport du GIEC qui s'appelle « Changement climatique et terre » et qui vous dit qu'à partir de 3 degrés d'élévation de température, il y a une insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Or, l'insécurité alimentaire généralisée, c'est la violence généralisée. C'est une constante dans l'histoire des hommes. Le Groenland a commencé à fondre et l'Antarctique de l'Ouest est en risque de déstabilisation. Si on dépasse la trajectoire des 2 degrés, l'Antarctique de l'Ouest finira probablement par se désagréger. Ça plus ça, ça va être 9 mètres d'eau en plus dans l'océan en l'espace de quelques siècles. Alors, c'est quelques siècles, mais le doigt sur la gâchette, c'est tout de suite. Voilà, je ne vous détaille pas les conclusions. Je vais juste finir avec le dilemme du coup qui s'offre à nous. Ici, vous avez une deuxième droite importante qui vous donne la réponse en température du système climatique en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on mettra dans l'atmosphère entre l'ère pré-industrielle et 2100. D'accord ? À fin 2018, on avait mis dans l'atmosphère 2200 milliards de tonnes de CO2, ce qui nous garantit une élévation de température de 1,5 degré. Donc en fait, les 1,5 degrés dont on parle parfois dans les engagements politiques, dans les discours d'entreprise, etc., en disant « on va faire ce qu'il faut pour qu'eux », en fait, on ne peut plus rien faire pour ça, c'est terminé. D'accord ? Ils sont déjà perdus. Si on veut les 2 degrés, il faut qu'on limite les émissions cumulées d'ici à 2100 à 3 000 milliards de tonnes de CO2, dont 2200 ont déjà été émises. 2250, pour être précis. Ce qui veut dire que d'ici à 2100, on a encore le droit d'émettre le tiers de ce qu'on a déjà émis dans le passé, pas plus, alors qu'on va être en moyenne 3 fois plus nombreux sur Terre. Donc ça veut dire que l'empreinte carbone de chaque personne dans cette salle doit être le dixième de celle de vos grands-parents, sur l'ensemble de votre durée de vie. C'est ça, les 2 degrés. Ça veut dire également que d'ici à 2050, il faut diviser les émissions planétaires par 3, ce qui est une autre manière de dire qu'elles doivent baisser de 4% par an. Donc tout business plan qui n'est pas compatible
avec une baisse de 4% par an des émissions planétaires n'est pas recevable au titre de la préservation du climat. Et je peux vous dire que c'est à peu près n'importe quel business plan que vous ferez. À peu près n'importe lequel. Donc la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à naviguer entre deux risques. Il y a un homme qui s'appelle Marc Carnet qui a publié ça, qui a parlé de ces risques il y a maintenant 3 ans, juste avant la COP21. Ou bien on ne se soucie pas à court terme de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre en disant « tant qu'on peut, on en profite ». Et à ce moment, nous aurons de façon irrémédiable, à cause de l'inertie du système, et on ne peut plus l'éviter, des risques physiques qui risquent de porter atteinte à l'espérance de vie d'une large partie de la population sur Terre. Ou alors, on se serre très très vite la ceinture en disant « on va comme ça éviter les risques majeurs en ce qui concerne le climat », et à ce moment, en gros, on provoque une récession mondiale de grande ampleur. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est pas fromage à dessert, malheureusement. Dans cette affaire, les entreprises, elles ont évidemment un rôle à jouer. Et je vais finir avec ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelques personnes dans cette salle qui ont signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique, même si je veux dire des choses très désagréables, il y en a moins dans les écoles de commerce que dans les écoles d'ingénieurs, je me demande bien pourquoi, mais c'est comme ça. Au titre de ce manifeste, sur le site du manifeste, il y a un petit guide anti-greenwashing que je vous conseille d'aller lire, il est rigolo. Aujourd'hui, vous n'avez pas une entreprise qui vous dit pas le développement durable, c'est vachement important, etc. Je vais faire tout ce que je peux pour être 2 degrés, machin, patate et chiffon. Alors moi, je dis, OK, ces gens-là peuvent me raconter exactement ce qu'ils veulent. Je ne crois pas une seconde ce qu'ils me racontent tant qu'ils n'ont pas fait, à minima, la liste que je vais vous dérouler maintenant. Vous avez tous entendu changement climatique 1000 fois. Vous l'avez peut-être entendu 1000 fois. Je pense que pour autant, il y a très peu de gens dans cette salle qui sont capables de me décrire dans le détail de quoi ils retournent exactement. C'est-à-dire quels sont les ordres de grandeur, les constantes de temps, les causes, les processus en jeu, etc. Je ne pense pas. Or, vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. Aujourd'hui, c'est ce qui est très exactement en train de se passer dans le monde économique et dans le monde politique. C'est-à-dire que les gens qui doivent prendre des décisions ont un défaut de compréhension du problème à traiter qui est majeur, notamment pour des raisons démagogiques, mais pas que. Et donc, ils tirent au hasard. Et mon avis personnel, c'est que pour commencer à comprendre de quoi ils retournent en ce qui concerne les histoires que j'ai très brièvement abordées ce soir, il faut en prendre pour 10 à 30 heures. Ensuite, comme le carbone n'est pas dans les euros, vous n'êtes pas capable de comprendre à quelle distance vous êtes du problème tant que vous n'avez pas une comptabilité qui est adaptée au problème à traiter. Donc votre comptabilité monétaire ne vous dit strictement rien sur là où vous en êtes en ce qui concerne la question climat. Rien. Donc tant qu'une entreprise n'a pas fait une comptabilité carbone détaillée qui permette à chaque cadre dans l'entreprise, donc vous, quand vous serez plus grand, d'être capable de confronter la caractéristique monétaire et la caractéristique carbone de la décision à prendre, vous n'êtes pas outillé pour naviguer dans ce monde-là. Et ça concerne quasiment aucune entreprise en France. Il n'y en a quasiment aucune qui est à ce niveau-là. Ensuite, je ne connais pas une entreprise, à quelques rares exceptions près, qui est aujourd'hui une stratégie long terme, enfin déjà quand elles ont une stratégie long terme c'est beau, qui est une stratégie long terme qui soit compatible avec une baisse de 4% par an des émissions, ce qui veut dire que ça contraint très rapidement les moyens de transport disponibles, les moyens de production disponibles, le pouvoir d'achat des consommateurs, les implantations géographiques qui restent accessibles, etc. Évidemment, il faut regarder ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On ne connaît quasiment pas une qui a fait ça. Quand les entreprises disent qu'elles vont prendre des objectifs, en général, elles les prennent par unité produite. Donc elles disent, je vais faire baisser, typiquement Air France, là, il y a quelques jours, je vais faire baisser mes émissions par passager kilomètre. Mais enfin, dans le même temps, ils veulent que leurs passagers kilomètres augmentent plus vite que la baisse unitaire des émissions. Je n'appelle pas ça traiter le problème. Si vous dites, je vais boire moins par heure, mais beaucoup plus souvent, il n'est pas complètement exclu que votre foie se porte plus mal quand même.
Et enfin, il faut que le processus soit piloté. Donc si vous n'avez pas ces affaires-là pour lesquelles vous avez un membre du COMEX qui y passe au moins 25% de son temps, c'est que le truc, il est traité par-dessus la jambe. Dernier point, dans toutes les entreprises où il y a des parts variables, et il y en a un certain nombre, si cette affaire-là n'est pas dans les parts variables, c'est que le sujet n'est pas sérieux. Voilà. Donc là, je vous donne un tout petit sous-ensemble, parce qu'il y a beaucoup plus que ça évidemment à faire, qui est indispensable pour qu'une entreprise puisse commencer à prétendre qu'elle fait des choses sérieuses sur la question. Tant qu'elle n'a pas fait tout ça, ça ne m'intéresse moi même pas d'écouter, enfin ça m'intéresse de travailler avec elle, c'est mon métier, mais je n'accorde à peu près aucun crédit à ses déclarations publiques sur ses brevets de vertu autoproclamés. Voilà, et je suis au bout de mon temps, donc je m'arrête. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Jancovici, d'être venu ce soir.